Il y a un an jour pour jour, quasiment, on vous a fait le bois brûler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Alors, première planche, elle était là, à la verticale, plein soleil. Les autres, allez, suivez-moi, elles sont derrière. La deuxième, ça fait un an qu'elle est ici, au ras du gazon. Elle a subi à la fois le débroussaillage qui se fait, enfin la tonte du gazon qui se fait au rotophile uniquement à La Réunion, et vraiment en contact avec l'humidité permanente. Bon, on a choisi un jour pluvieux pour tourner cette vidéo. Il fait humide à La Réunion, mais aujourd'hui c'est quand même particulièrement chargé. Au passage, vous n'avez pas l'habitude, ça c'est un fruit de la passion. Il n'est pas tout à fait mûr, je l'aurais bien cueilli devant vous, mais voilà, une petite treille. Et la dernière, j'avais voulu qu'elle soit détachée du sol. Donc elle est ici, détachée, elle n'est pas sur le sol en contact avec l'humidité. Par contre, elle a été bien bien exposée aux UV, d'autant plus que, comme je vous disais, la treille juste au-dessus, elle vient de pousser. Donc voilà pour la troisième, et c'est juste impressionnant comme ça n'a pas bougé. Je rappelle que c'est juste quand même du bois de coffrage, donc le bois en termes de qualité, on ne peut pas vraiment faire pire. Il est extrêmement léger, il n'est pas sec au moment où je le traite, et ça n'a pas bougé. On va se faire un petit projet tout bête. J'ai une jardinière au bord de la piscine que j'ai vidée, qui va me servir à faire un petit coffre pour y déposer les 2-3 babioles qu'il y a toujours, qui traînent autour de la piscine, surtout quand on a des enfants aussi bien ordonnés que les miens. Donc voilà, c'est l'heure de les couper, de voir à l'intérieur ce qu'il y a. J'ai du mal à trouver un endroit sec pour le t-shirt en fait. Ah, sur les côtés, c'est pas mal. Clac. C'est correct. Bon, c'est le moment de les couper. On va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, le question menuiserie, il y aura très. Ça sera très très simple aujourd'hui. Je vais deux côtés avec une double pente, une petite pièce sur le côté, j'aurai à brûler un ou deux petits endroits forcément au niveau des coupes. Ici, je suis réglé en longueur. En 2021, en tous les cas en début 2021, on ne sait pas faire de vidéo avec la vue, le son et l'odeur. C'est bien dommage parce qu'il y a une sacrée odeur d'huile de lin réchauffée. Vous vous rappelez, au moment où on a fait le bois brûlé, il y a énormément d'huile de lin qui est partie à l'intérieur de ce bois, et ça sent.
je n'aurais pas vu le processus de fabrication ou le processus de préparation des planches. En rentrant dans l'atelier là, on devine que l'huile de lin a été de la recette. Ah ouais, c'est assez impressionnant. On a un mélange de pain, forcément, et d'huile de lin qui est assez fort. Voilà. Deux petites coupes ici. Ça sera pour un autre projet. J'en aurai pas besoin.
cercueil. Il y en a un là derrière, vous ne le voyez pas. Il a son parapluie. Vous l'aurez compris, une réalisation qui n'est pas là pour faire de la grande menuiserie, mais qui était vraiment là pour vous faire un retour par rapport à cette technique du bois brûlé. Il y a un an, j'ai brûlé ces planches en essayant de le faire un peu de manière traditionnelle sans trop utiliser le chalumeau à la manière des Japonais. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas que les Japonais, qu'il y a beaucoup, beaucoup de cultures qui font ça. Je trouve le retour en termes de stabilité du bois assez hallucinant. Il faut bien comprendre qu'à La Réunion, l'exposition au soleil fait que vous faites une lasure sur un deck, sur un lambris, sur n'importe quoi en extérieur. Au bout d'un an, il est déjà craquelé, il blanchit et ça ne tient pas. Les agressions au niveau des UV, elles sont vraiment fortes ici. Et là, il semble que cette finition-là se soit affranchie de ce problème. Plus le fait que, on a un bois qui est relativement sympathique pour toutes les bestioles de la terre. Il suffit de voir ce qui peut traîner sur le terrain et qui se fait très rapidement bouffer. Et là, même les planches qui étaient en contact n'ont pas du tout été agressées. Donc, c'est bien sûr, on va dire, il faut relativiser. Ça ne fait que un an. Mais ça semble très, très prometteur. Et il y a autre chose aussi qui m'a marqué. C'est qu'au final, si on regarde ce copeau, regardez, on a quand même un changement de teinte qui se fait sur quasiment 3 mm de profondeur. Donc on a réellement chauffé le bois sur une profondeur qui est suffisamment importante pour le protéger durablement. Avant qu'on ait 2 ou 3 mm qui subissent les agressions du temps et qui perdent cette protection, il va se passer beaucoup de temps. Lorsque l'on passe une lasure, ça pénètre très très peu. Même alors le saturateur lui pourrait pénétrer un petit peu un bois comme celui-ci, mais une lasure ou un vernis va complètement rester en surface. Donc là, ça pour moi c'est une vraie différence, c'est qu'on a pénétré à l'intérieur pour faire cette protection. De toute façon, on voit bien qu'on a pénétré, il suffit de voir sur la tranche que on a par endroit carrément creusé le bois. Donc, une expérience très intéressante, et j'étais en train de discuter avec René là, il y a 2 minutes. Vous savez très bien que dans quelques mois, je m'apprête à déménager et je vais reconstruire un atelier complet. Je vais devoir refaire tout le bardage extérieur et je suis très, très sérieusement en train de me poser la question de faire cette technique en métropole pour protéger les lambris extérieurs. Donc, voilà. À faire, à suivre pour cette technique. Et tant qu'à faire de la suivre, cette technique, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, racontez-moi vos expériences en termes de finition, en particulier autour du bois brûlé, ça m'intéresse. Allez, passez une très bonne semaine. Bye bye.